Salut à tous, c'est Athéna. Et donc, si je fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous remercier d'être si nombreux à me suivre maintenant. Vous êtes plus de 6000 et c'est juste énorme, quoi. Donc, voilà, merci à tous énormément, à tous ceux qui me suivent depuis le début et à tous les nouveaux. J'espère que mes projets continueront de vous plaire tout autant. Je suis juste désolée de sortir moins de vidéos actuellement, mais voilà. Vu que je suis en train de préparer un film, c'est normal que ça me prenne énormément de temps. Donc, bienvenue sur cette vidéo spéciale 6000 abonnés. Donc, comme je ne savais pas trop quoi faire dans cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas annoncer la prochaine série. Et donc, ce sera une série sur Yandere Simulator. Voilà. J'ai déjà commencé à créer pas mal de personnages, ou du moins, je les ai quasiment tous créés. Bon, après, ils vont peut-être encore être modifiés. Tout ça d'ici que la série sorte, mais donc vous pourrez voir quelques personnages que j'ai déjà créés. Donc voilà, ça fait longtemps que je pense à faire une série inspirée de ce jeu, tout simplement parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et donc comme il y a énormément de personnages dans ce jeu, évidemment je vais avoir besoin de beaucoup de doubleurs. Donc en même temps, dans cette vidéo, c'est également une vidéo casting. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour me prêter votre voix, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai donc les phrases pour le casting. Donc, certains savent que je leur réserve déjà un rôle, parce que certains sont déjà au courant. Voilà, ça fait déjà quelques temps que j'y pense à cette série, donc j'en ai déjà parlé à quelques personnes. Mais étant donné le nombre de doubleurs que j'aurai besoin, donc vu que je vais en avoir besoin énormément beaucoup, surtout pour des personnages figurants ou secondaires qui ont vraiment que quelques répliques. Cette série sortira après avoir fini les deux derniers épisodes de Lone et elle sera en collaboration avec Akario, encore une fois, parce que c'est également avec lui que je suis en train de produire mon film, qui sortira pour Halloween, du moins je l'espère. Vu que c'est un film d'horreur, ça serait bien dans le thème, quoi. Mais bon, après, tout dépendra si on aura le temps de finir le montage. Voilà, d'ici là. Sinon, je voulais également vous dire que j'ai créé deux serveurs Discord. Un qui sert essentiellement pour faire des vocales, jouer à des jeux comme Genshin Impact notamment, enfin, me concernant en tout cas. Voilà, mais bon, il est ouvert à tout le monde, donc vous pouvez rejoindre si vous voulez, et puis ça fera encore plus de personnes avec qui parler, tout ça, et puis ça pourrait être cool. Voilà. Et sinon, j'en ai créé un autre avec 7-7 qui sert à regrouper toutes les séries, films ou TV réalité Sims. On s'est dit que ça pouvait être bien de créer un serveur qui regroupe tout ça, parce que notre connaissance, il n'y en a pas. Et pour tous les nouveaux, pour tous les nouveaux qui arrivent sur YouTube, on s'est dit que ça pouvait être bien pour eux, pour se faire connaître et puis pour chercher des doubleurs ou tout simplement si jamais vous voulez prêter votre voix à d'autres personnes. Voilà. On s'est dit que ça pouvait être pas mal. Donc je vais mettre les liens de ces serveurs dans la description ainsi que mon adresse mail pour le casting. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Encore merci à tous et portez-vous bien!